Ça, c'est vraiment dans Natal. Un personnage sonore qui s'anime sous nos oreilles, sous nos yeux. C'est un peu l'image de cette collection qui vient de la maison Flitchell Design, qui nous habitue, qui en fait, qui nous rend souvent avec des instruments hors de l'ordinaire, hors des grands sentiers, avec effectivement ces magnifiques surprises. Ici, on a une collection complète de 8 instruments. Sous le grand chapeau, finalement, de Intentional Blur, que je qualifierais par un flou volontaire, tiens, je le dirais comme ça. Je pense que ça décrit bien peut-être d'une certaine façon, l'attitude de la maison de nous amener avec ses créations sonores qui sont vraiment hors normes. Ici, on représente un peu l'univers, la nostalgie des années 50, 60, du siècle dernier. On voit ici avec quelques images. Hein, on a ici une vieille télévision, un vieux téléviseur, avec des images de personnages qui représentent un peu cette époque. J'avais utilisé aussi le téléphone. On le voit ici. Hein. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà connu un peu ce genre d'appareil, effectivement, qui était très à l'avant-garde d'une certaine époque. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans le contexte de cette image, parce que j'ai utilisé le terme un cinéma pour l'oreille, je trouve que ça décrit bien l'attitude ou la position, la posture finalement qu'on peut avoir envers un instrument de ce calibre, parce que c'est pas des éléments que vous allez utiliser en fonction tonale ou des choses comme ça pour aller chercher vraiment une base harmonique. C'est vraiment des personnages qui s'animent, qui se positionnent dans le décor que vous placez au niveau du son, un peu plus loin, un peu plus à gauche, etc., pour vraiment créer, encore là, je reprends l'image du cinéma pour l'oreille. Imaginez cette dimension que vous avez autour de vous, donc qui permet d'aller positionner ces dimensions avec ces personnages qui sont là. Je vais vous amener tout de suite, tiens, sur le site. On viendra avec les échantillons comme tels. Je vous amène sur le site de la maison Flitchell Design. Donc, Unconventional Instruments, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée de cette magnifique collection. On trouve plusieurs éléments, plusieurs propositions. Il y en a que j'ai déjà fait quelques capsules. Four Ambience, entre autres, qui est encore là. Un peu voisin, un peu cousin de celui-ci. Voici celle que j'utilise. An Intentional Blur. Donc, le flou intentionnel. Donc, une collection de 8 instruments. Ici, je sélectionne celle-ci. Donc, on voit, voilà, une façon de repenser le timbre, réimaginer les éléments qui appartiennent à une certaine période, pour nous permettre effectivement de reprendre un peu ce fil qui nous amène à créer des ambiances, des univers sonores complètement distincts. Donc voici celui-là. Sur le volume 1, on trouve donc 8 instruments qui sont, voilà, on les voit ici à l'image, une vieille imprimante à matrice. Si vous avez déjà utilisé ce genre d'appareil, on se souvient du bruit, en fait du roulement du moteur, etc. Un téléviseur, un vieil ordinateur, des haut-parleurs, une vieille appareil radio. Un élément qui est intéressant que je trouvais dans celui-ci, qui s'appelle CUTE, Cute, donc où on voit ici la définition, inspired by des films autour des années 60, à l'intérieur desquels on a des scènes où on aura une voix qui est entendue. Ce n'est pas nécessairement important d'entendre ce qu'elle a à dire, mais comme de recréer l'écoute par rapport avec ce personnage. C'est donc une collection qui est vraiment complète en termes de personnages sonores que vous aurez donc sous format contact, disponible sur toutes les plateformes, etc., que vous soyez Mac, PC. Moi, j'utilise ici sous l'environnement Logic, mais on aurait pu être avec Ableton, peu importe. Et la façon dont les instruments se disposent, moi, j'ai utilisé quand même quelques échantillons de cette collection avec des complices aussi qu'on a entendus à la fin. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, voici comment le scénario se présente d'une certaine façon, puisqu'il s'agit d'un cinéma pour l'oreille. Voici le téléviseur avec quelques boutons. Ici, un bouton qui nous permet d'ajouter du bruit de fond. Hein, voilà. Moi, c'est vraiment j'aime beaucoup ce genre de grincement, de craquement. Et ça m'intéresse aussi de voir, est-ce que ça peut cohabiter? Comment ça se comporte avec ce que vous avez peut-être chez vous là, en termes d'instruments virtuels? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a moyen de faire un alliage intéressant? Donc, on a ici donc 2 niveaux de contrôle, à droite, à gauche, pour créer un peu plus de bruit de fond, etc. Les trois unités
d'ensoleillement, d'une certaine façon, qui sont disponibles avec cette petite mallette de modulation avec lesquelles on peut changer. On retrouve en dessous à peu près les mêmes éléments qu'on retrouvera d'une fenêtre à l'autre, avec AR qui sont combinés, donc attack and release. Donc, à partir du moment où vous augmentez l'injection, c'est valide à la fois pour l'attaque et aussi pour le relâchement du timbre. Modulation, SPD pour speed, FX pour les effets. On aura ici delay et reverb, avec deux boutons d'action direct pour avoir accès à on-off. Donc, ici, on a l'injection et après ça, le petit bouton qui nous permet d'avoir on-off. Cut and resonator pour des filtres dans l'ensemble des propositions. Dans chaque cas, on retrouve ici sous l'onglet, donc vous voyez le nom, ici CRT. Donc CRT, ici on a le module Drive. Si vous avez installé les configurations nécessaires, on retrouve ici quatre choix qui sont préconfigurés, qui nous amènent effectivement à trouver. Donc vous voyez ici qu'avec l'ambiance chorus, complètement différent. L'ensemble Beat Crush. Et finalement, le dernier qui est wide stéréo, donc vraiment une ouverture d'écoute plus grande. Et effectivement, on peut aller chercher ces éléments par la molette de modulation. Voilà. Qui encore là va donner des paramètres complètement différents au thème. Et effectivement, tous les boutons qui sont là sont donc disponibles en configuration ou assignation MIDI. Si vous avez déjà un clavier de la maison Native Instruments, ben vous verrez que l'ensemble des propositions sont déjà préconfigurées avec les boutons qui sont situés sur le clavier. Sinon, moi j'utilise un Korg Nano Control, donc sur lequel j'ai assigné les boutons pour nous permettre d'avoir une application plus musicale, plus fluide, qui est beaucoup plus intéressante que le jeu avec simplement la souris. Donc, celui-ci, c'est ART. Donc, j'amène le suivant qui est le FPHON pour phone, téléphone. Je vais aller chercher ici cette. Donc, voilà, je l'amène ici, voilà. Quand je vous parlais, on entend évidemment une voix. C'est pas utile de savoir vraiment ce que la personne dit, mais on a besoin de ce timbre, d'une voix féminine, en tout cas ici dans ce cas-ci. Hein, tout ce que je fais, j'ai appuyé sur quatre notes envoyées dans l'univers. Ce qui est important, c'est quand vous pensez à ça, il faut vraiment penser à une dimension physique du comportement du son, du timbre dans l'espace. Et c'est là que ça prend vraiment sa personnalité ou son cœur, vraiment sa force. Quand vous vous amenez à prolonger ce timbre un peu à gauche, à droite pour le placer effectivement dans l'espace. Donc, fond, vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes éléments, sauf qu'ici, au lieu des deux boutons, ben, c'est deux petits ajustements traditionnels ici. HSS pour le ish. On ajoute. Et. C'est incroyable, hein, quand même, juste en changeant quelques éléments. Donc, celui-ci également, comme son voisin, son prédécesseur, mais on aura quatre propositions à amener à l'écran. Tiens, je vais aller chercher le PRNT pour printer. Donc, vous voyez ici l'image d'une vieille, vieille imprimante à matrice. Quelle nostalgie, disons-le. La plupart, j'en ai pas parlé beaucoup. On voit ici cette espèce de. Est-ce que c'est un arpégiateur, des choses comme ça? On a 64 unités de traitement. On peut réduire simplement en amenant l'élément vers la gauche. Donc ici, tiens, voilà, printer qui est là.
C'est vraiment fascinant de reprendre un peu ce genre de thème. C'est une collection. Ce que j'aime de ce genre de projet, c'est qu'on ne trouve pas ça à tous les coins de rue. C'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, où vous n'utiliserez peut-être pas ça dans toutes vos productions, toutes vos pièces, mais au moment où vous aurez besoin de ce genre de traitement, ce genre d'environnement, c'est vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir à utiliser ça sous les doigts. Donc, là, ici, le PRNT pour printer. Après ça, l'autre, le RDIO pour radio. Je pense que je l'avais ici, peut-être. Non, je vais aller vous le chercher. On l'avait montré tout à l'heure en guise de préparation. Voilà, radio. Voilà, il s'en vient ici. Je l'avais mis à côté, à gauche. Voici l'appareil radio. On trouve encore là, ici l'élément d'arpégiateur. Ah, ça donne une belle base quand même. On trouve un peu les mêmes choses. Ici, deux boutons pour le ish et. Puis je vous parlais tantôt aussi que ce n'est pas nécessairement des éléments qui sont disponibles en fonction tonale, mais je suis en train de les utiliser, là, je suis sur un peu la mineure, enfin des quintes, mais on sent quand même bien la référence à un élément, à une note, à une hauteur. Ici, je devais avoir le volume bas, c'est ça. Je peux le monter un peu. Le registre est aussi intéressant de ce côté-là. Rumble Toy Cute. Hein, je vais aller chercher en guise de conclusion celui-ci, et qui était cute, où je parlais tout à l'heure des éléments qui appartiennent au film, ou enfin à la filmographie. Tiens. Douce musique. Agencé avec effectivement un élément sonore. Il faudrait trouver effectivement les sources. Et voilà, des petits plaisirs, voilà. Cute. Donc, on retrouve un peu les mêmes éléments, les trois préparations, ici de thèmes différents, air, attaque. And release. Moon. Quel plaisir! Quelle délicate attention! Voilà. Avec celui-là, cute. Qui reprend un peu. Puis je pense que une image vaut mille mots. Puis je pense que les images, généralement chez Spitzley-Lezang, sont relativement soignées. Et les gens prennent beaucoup d'attention à représenter effectivement visuellement ce que l'univers sonore pourrait peut-être être en complémentarité d'une certaine façon. Donc on voit bien ici avec le personnage qui est là, un peu de côté, donc qui nous permet d'avoir une attention particulière. Dans les complices que j'avais suite à cette petite mise en scène, c'est le cas de le dire, sonore, je suis allé chercher, tiens, des collègues de longue date. Quand je reviens à Piano Book, parlant de Piano Book, nous sommes aujourd'hui en septembre de 2024. Il y a eu au cours de l'année, des derniers mois, comme un arrêt finalement du site, mais il semble avoir une remise en action. J'ai vu passer un mémo de Christian Hanson, un des représentants, un des responsables du Carrefour Piano Book, disant qu'il allait peut-être avoir une façon de repenser. Encore une fois, on repense les choses pour voir comment effectivement le site pourrait garder son caractère, son unicité. Donc, du site, je suis allé chercher ici le Single Evo. Ça vient de.
Je vais aller effectivement mettre un peu de volume. Voilà. C'est ce que j'utilise à la fin. Des belles voix douces qui sont en suspension dans l'atmosphère. Winter Voices que j'avais utilisé. Et aussi en format DS pour Descent Sampler de Venus Theory, un incontournable pour tous ceux qui circulent dans le monde de l'informatique ou de la création sonore appliquée par support informatique. Venus Theory qui a son Aerafin. Ça donnait un petit côté céleste à la fin pour terminer le tout. J'avais aussi le piano que vous avez entendu, ça vient de Mémoire Piano, ça vient de la maison Audi. Oli. Ah, ici, c'est incroyable hein, de penser que c'est un piano, ça. Je l'avais donc en format contact, celui-ci avec l'arpégiateur. Je vous l'amène à l'écran. Voilà une belle gratuité que j'ai trouvée sur. Ah, c'est incroyable, quand le son, quand le timbre est inspirant, on fait juste se laisser guider par l'écoute de l'instrument comme tel. C'est vraiment un plaisir que j'ai à partager avec vous cette découverte, cette magnifique collection de Intentional Blur. Donc, je vais l'appeler comme ça, je vais le nommer le flou volontaire, parce que je trouve que ça décrit bien cette attitude qui nous permet de revisiter des éléments qui appartiennent au passé dans une façon de les réinventer, plus que de la nostalgie, mais bien une façon de les réinterpréter avec l'oreille qu'on a de cette distance, une cinquantaine d'années facile qui nous sépare de ces magnifiques instruments qui sont d'une génération qui ont marqué effectivement une évolution qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de surprise avec l'ordinateur et tout. Mais il a fallu donc passer par là. Donc, je profite de ces occasions pour vous remercier de votre écoute. Je salue aussi les nouveaux abonnés. J'approche la chaîne, en fait, approche du premier 1000 abonnés. Ça me fait bien plaisir de voir comment la communauté grandit et que vous intéressez effectivement aux éléments que je propose, qui sont un peu à l'extérieur des grands circuits, mais qui sont sans doute un bon complément à l'utilisation de vos bibliothèques sonores d'instruments virtuels. Ça me fait bien plaisir, en tout cas, de partager ça avec vous. Envoyez-moi un petit mot si l'occasion vous en dit. Partagez la capsule, partagez la chaîne, c'est toujours plaisir. C'est toujours un véritable plaisir de travailler dans ce partage et dans cette complémentarité des sons, des timbres et de tout ce qui supporte la création musicale. Maintenant, c'est le cas de dire, la balle est dans notre camp. Je vous remercie de votre écoute en vous souhaitant, à mon tour, une bonne inspiration. À bientôt. Au revoir.